Actuellement, nous retournons au Fort George et si nous remontons l'histoire, nous vous trouvez qu'au commencement de l'histoire de l'île Maurice même, c'est quand les Hollandais sont allés pour la dernière fois depuis 6 ans, c'était en 1710. Et puis bien après, où il y a mal français qui est venu, ils ont pris possession de l'île Maurice. Et ici même, qu'ils ont pris possession de l'île Maurice, cette île, il y a une grande valeur historique pour une stratégie de défense. La Bourdonnée servit ça comme une première fortification. Et c'est tellement imposant qu'il y a un Anglais même qui perd pour attaquer la rade. Je préfère Al Cap Malheureux, Morse, pour venir pour lui, pour attaquer pour lui. Après, on a la Première Guerre mondiale, quand il y a une troupe qui est basée ici, je suis sorti à quoi, c'est basé ici pour renforcer aussi et l'entrée du port. La Deuxième Guerre mondiale, j'ai un Anglais qui s'est stationné ici ensemble avec un Mauricien. Et notre rôle aussi, c'était de défendre la capitale. Après, jusqu'à l'indépendance, on a Mr. Work qui prend possession de l'endroit pour faire un store. Et à certains moments, nous avons un Coast Guard aussi. Et tout dernièrement, c'est-à-dire ça remonte aux émeutes de 1999, quand le gouvernement a fait un déploiement de l'SMF, reste ici pendant un certain temps, et puis je remonte à quoi. Depuis la présence des Anglais à Maurice, et un point stratégique dans l'île, quand nous avons une dynamite et une munition, c'était ici. Et pendant bien longtemps, il y a une dynamite parce qu'il était loin avec la ville et les habitations. Et il y a à peu près une 15-20 années de cela, tout a été transféré au Bigara et qui est géré par la SMF.